ओम शांति। ओम शांति। सारे विश्व में À travers le monde, là où il y a les enfants de papa, en Inde et partout dans 180 pays à travers le monde, chacun a une pensée déterminée que pendant 3 jours, nous serons dans le souvenir de papa, dans un souvenir volcanique de l'unique, un souvenir empli d'amour. À quelques endroits dans le monde, l'Amrit Vela a déjà commencé et chacun a eu le but. J'expérimente hier comme si le Père du monde avait créé un grand yagya pour le monde entier. Et pour créer ce yagya, pour le feu sacrificiel, tous les brahmines sont nécessaires. Il y a deux éléments qu'on ne doit pas oublier. Et j'avais le sentiment du Mohini on doit brûler toujours quelque chose dans le feu pour que le feu demeure toujours actif. Pour cette aventure spirituelle, toutes les tâches doivent être menées à bien et tous les obstacles qui peuvent se présenter doivent être brûlés dans le feu ou surmontés. Et on doit les sacrifier dans le feu sacrificiel. Donc, ce sont les petites graines de ces âmes que l'on met dans le feu. On met de l'huile ou du ghee dans le feu sacrificiel. Et quand on se départit des vieilles pensées, on s'imprègne de notre nature divine parce qu'on a besoin, pour créer un feu sacrificiel, on a besoin de donner nos pensées déterminées à papa. Et les brahmines doivent donner pendant trois jours, ce feu sacrificiel doit être allumé et doit être allumé pendant 3 jours. Donc, il y a des donations. Et la plus grande donation aujourd'hui, on doit devenir donneur. Alors, on va donner des bons, on va donner nos pouvoirs et nos vertus. Et on doit avoir une quantité. On doit vérifier notre inventaire des. Si on fait partie du feu sacrificiel, on doit avoir beaucoup de matériel à donner et à sacrifier. Et pour donner, on doit avoir le pouvoir et des vertus de sentiments purs et de bons souhaits. Donc, on a besoin d'un grand, une grande quantité de pouvoir et de vertus. Et ce feu sacrificiel, c'est dans le but d'apporter la paix dans le monde. On doit à expérimenter notre forme éternelle. Donc, à partir de l'Amrit Vela, demain matin, on se maintient dans le niveau sans corps. Dans le niveau sans corps,
on va au-delà de la conscience, de ce corps, et on est dans notre forme éternelle, le point. Et quand on a les vertus de notre forme éternelle dans notre conscience, on est dans le souvenir de Baba, moi l'âme, je suis un être paisible. Et mon Père, le Père suprême, est l'océan de paix et il est aussi le grand donneur de paix. Je suis un être paisible et je suis l'enfant de l'océan de paix. Je suis paisible et tout comme mon Père, je suis un donneur de paix. Je suis un maître océan de paix et je suis l'incarnation de l'amour. Et mon Père est l'océan de paix. Il est donneur d'amour. Moi, l'âme, je deviens maître, donneur, et la pureté est ma religion originelle et ma vertu originelle. Je suis l'incarnation de la pureté. Je suis l'enfant de l'océan de pureté. Et dans le souvenir du Père, je répands toutes ces vibrations de pureté sur le monde entier. Et chacun doit expérimenter qu'ils sont des âmes. Quand on se stabilise dans ce niveau, tout le corps, on n'a plus la conscience de l'ancien corps et on devient détaché de ce corps. Ainsi, on n'a plus la conscience du corps et les sens physiques. On sera détaché des sens physiques et l'esprit et l'intellect seront en harmonie et concentrés. Concentrés sur le Père, l'océan de paix, l'océan d'amour et l'océan de pureté. Moi, l'âme, je me fonds dans cet océan. Et dans le souvenir du Père, j'expérimente l'égalité et la proximité à l'âme suprême. Car l'âme se fond dans cet océan, elle devient complète et parfaite. C'est ainsi que l'âme se sent. L'âme ressent son niveau. Son niveau sans corps. Et dans ce niveau, non seulement on est au-delà de la conscience du corps, on se sent très proche de notre forme de déité. Je suis l'enfant de l'océan d'amour. Je suis continuellement une incarnation de l'amour. Et je les pense, moi l'âme, j'ai des pensées bénéfiques, des paroles bénéfiques, et j'expérimente ce niveau. Et en accomplissant des actions, je suis l'instrument. J'accomplis des actions par ces sens physiques
Et les sanskars de la conscience du corps ne me touchent pas. Et je porte attention dans la vie d'un karma yogi. Je pratique le niveau sans corps. Moi, l'âme, je reste dans le souvenir du Père unique. Om Shanti. Là où il y a de l'amour pour Dieu, voici les versions élevées d'Avyak Bhavdada que l'on peut pratiquer maintenant. Là où il y a de l'amour pour Dieu, qu'est-ce que de devenir sans corps? C'est tout comme un jeu. En une seconde, on devient sans corps quand il y a de l'amour. Om Shanti. On oublie le corps. Om Shanti.